niveau du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, nous utilisons quatre outils spécifiques. Donc, nous avons le panorama des absences pour raisons de santé, qui nous permet d'avoir une connaissance globale de l'absentéisme au niveau national. Nous avons en deuxième lieu le dossier statistique individuel des collectivités qui nous permet d'avoir une vision vraiment synthétique de la collectivité sur son absentéisme et qu'est-ce qui s'est passé. En troisième lieu, nous avons les indicateurs d'absentéisme trimestriels qui nous permettent de dégager effectivement des niveaux critiques sur certaines collectivités. Également, on a la plateforme MyData qui est un outil donc installé en local au centre de gestion qui va nous donner la possibilité d'aller explorer en temps réel les chiffres de chacune de nos collectivités et on va pouvoir aller bien évidemment focaliser, étayer, préciser nos actions de prévention aux côtés des collectivités. L'absentéisme, ça génère des services qui sont déséquilibrés parce que les agents ne sont pas au travail et ça génère de fait une qualité du service public qui est forcément atteinte. En tant que centre de gestion, on va vraiment essayer de guider la collectivité pour qu'elle puisse dégager des pistes d'action et mettre en œuvre des actions pour que progressivement, on arrive à apporter des réponses à la hauteur de ces problématiques d'absentéisme et d'arriver à mettre un frein, au moins en partie, sur des problématiques d'accidents du travail, de maladies professionnelles, de maladies ordinaires. Et nous allons vraiment pouvoir utiliser cette analyse de l'absentéisme comme un outil permettant de faire progresser la qualité du service public.